Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Ça va bien. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Un labyrinthe pour notre hamster Nuts. Ouais. Pour Nuts Junior précisément. Exactement. C'est notre deuxième Nuts. Oh. Ouais. Ah, regardez comme il est chou. J'ai l'impression qu'il est moins gros. Tu trouves qu'il est moins gros? Moi, je trouve qu'il est bien dodu quand même depuis son adoption. Hein. Bah, je trouve en fait qu'il y a moins de poils. Il a un peu moins de poils là, c'est vrai. Il est petit, hein. Il a dû perdre son poil d'hiver. Alors, notre petit Nuts, vous vous souvenez, on l'avait adopté il y a quelques temps déjà dans une vidéo Devine le mot où j'adopte. Voilà. Et du coup, il a été adopté, ce petit pépère. Il était tout blanc quand on l'a adopté. C'est vrai. Et maintenant, il est tout gris. Et voilà, il a changé de couleur. Mon pépère. C'est un caméléon. Caméléon. Bon, il a quand même pris des formes. Hein. Il fait pas pitié quand même. Hein. Il mange beaucoup. Il mange tout le temps. Bah, c'est un vrai mignon. Exactement. Et du coup, il a été décidé de lui faire faire un petit peu d'exercice ouais. avec la construction d'un labyrinthe. Alors, des labyrinthes, j'en avais déjà fait en Lego, vous en aviez fait avec des aimants, vous avez construit Amsterland. Ouais. Et là, vous le faites en quoi? En carton. Exactement. Les fameux cartons du Fort Box ouais. qui étaient dans la chambre de Swan. Bon, malheureusement, il a détruit. On sait pas ce qui s'est passé. Je sais pas, moi, non. Un petit accrochage entre vous certainement. Je crois. Un point de détail. Je sais. Voilà, c'est ça. Faut pas trop charrier son grand frère, tu vois, au bout d'un moment. Est-ce que vous êtes prêts pour la construction de ce labyrinthe? Je suis prêt. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Let's go. Là, on a rassemblé quelques briques, mais il y en a encore plein dans la chambre de Swan. Donc normalement, ça devrait être un grand labyrinthe. Et comme Nuts, bon, il monte pas bien haut, logiquement, ça devrait être vite fait. Démarrage de la construction du labyrinthe pour Nuts. Nuts surveille l'avancement des travaux. Mais qu'est-ce qu'ils font encore? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est sûrement pour une arme secrète nucléaire. Bien sûr, fabrique quelque chose d'incroyable, un peu, c'est certain. Ou Swan, c'est pas la peine de faire 3 étages, hein. Tu sais, Nuts, il montera pas jusque là, on t'embête pas. Hein. Tu ouais, peux je... faire, voilà, 2 étages, ça suffit largement pour un hamster. Et tu arrêtes moi en fait. C'est parfait. Déplacement du labyrinthe géant. Il est immense. Hein. C'est sûr. On va pas perdre Nuts au milieu. Allez, c'est parti. Alors, ça prend forme. Néo a une technique de montage du labyrinthe qui est bien à lui. Néo, il fait du lancer de briques. Et la construction du labyrinthe se poursuit. Néo est parti rechercher des munitions. Bien voilà. Bien. Et Néo nous amène des... des stocks de briques. C'est bon. On est sauvé. Et pendant ce temps-là... Nuts surveille les opérations. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est bizarre ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois que ça va être le plus grand labyrinthe que vous ayez jamais fait pour un hamster. Hein. Ouais. Regardez ça, la taille. Pour un hamster minuscule. Hein. Bon bah là, je pense qu'il va avoir de quoi trotter. Hein. Là, il va vraiment perdre l'exercice pour perdre tous les gâteaux qu'il a mangés. Néo nous amène carrément des morceaux de mur complets. Voilà. Donc là, c'est la partie que Swan est en train de finaliser, donc la délimitation du labyrinthe. Et là, c'est la partie labyrinthe lui-même. Avec un petit peu plus du coup de stratégie pour que Nuts ait de quoi galoper. Regardez-le lui. Il se cache dans sa litière. Mon pépère. Bah oui. Promis, tu vas pouvoir tester bientôt. Je suis sûre que tu vas t'éclater. Swan, tu vas bientôt disparaître sous les briques, je pense. Ouais, là, il y en a assez ou pas, là? C'est bon? Alors Swan ouf. Ouh, voilà, j'ai fini. Mais Swan, elle est où la sortie du labyrinthe? N'aurais-tu point oublié un petit détail? On va dire que c'est là, d'accord. T'es sûr? Parce que regarde, l'entrée, elle est là. Et l'idée, c'est de mettre la sortie un petit peu à l'opposé. Donc on avait dit qu'on la mettait là-bas. Ça vient même? Non? Tu préfères la mettre là? Ouais, je préfère la mettre là. Bon, bah allez, vas-y. Donc, on fait la sortie juste là. Allez, la construction du labyrinthe se poursuit. Donc là, on va rentrer vraiment dans les détails. Le vrai labyrinthe. Tant, ta, ta, ta. Alors, je croyais que ça c'était l'entrée et sa sortie. On va dire que ça c'est la sortie et ça c'est l'entrée. Parce que c'est plus stylé ici. C'est plus stylé, d'accord. Donc ça c'est l'entrée et la sortie effectivement, elle était là, elle était pas super stylée. Hein. Tu veux la rendre plus stylée Swan? Ça va. On la laisse comme ça la sortie? Oui, comme ça elle est plus difficile à trouver. Oui. Et là-bas donc, c'est la belle entrée. Regardez, construction de Swan, magnifique, on a l'impression d'entrer dans un temple inca. C'est très joli. Ouais. Bon maintenant, avec tout ça, ça va être superbe. Alors pour que ce soit tout droit, avec ça, je vais rajouter des jouets. D'accord. T'es sûr que Nuts va être contente d'être nez à nez avec un crocodile géant?
Ça prend forme. Alors de ce côté-là, on dirait pas. Parce que de ce côté-là, pour l'instant, on a toujours notre amas de briques. Mais de ce côté-là, regardez. Ça commence à être sympa, hein. Et pendant qu'on avance la construction stratégique du labyrinthe, j'avoue que j'ai donné un petit coup de main quand même. Eh bien, Swan, lui... Je décore. Voilà. On peut compter sur Swan pour la déco. Donc il y a un petit bonhomme là. Il y a aussi des dinosaures qui sont arrivés dans le labyrinthe. Ah bah oui, il y en a un gros là même, hein. Bah, il va être très content, Nut. Attention, Nut. Mon pépère. C'est comme mon premier labyrinthe en Lego. Mon premier, tu sais qu'on avait mis un T-Rex en Lego. Tu te souviens de ça, toi? Oui, ça fait hyper longtemps. C'est marrant. Et notre labyrinthe géant prend forme. On n'en a jamais fait un aussi grand. Il est incroyable. Donc là, les garçons sont en train de peaufiner cette petite partie. Donc ça, vous souvenez, c'est la partie qui mène vers la sortie. Hein. Mais du coup, Néo a mis au point une stratégie qui fait que si le hamster rentre par là, s'il passe par ici, en pensant que ça va le rapprocher de la sortie, puisque la sortie, vous vous souvenez, elle est juste là, et ben en fait, non, c'est un piège. Il passe par là, hop, 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 il va tourner, il va se perdre, et en fait, il ne pourra pas accéder ici parce que c'est fermé. Voilà. Donc en fait, pour accéder à la sortie, il est obligé de passer de ce côté-là et de faire tout le labyrinthe qu'on n'a pas encore construit, mais c'est pour bientôt, et ensuite d'arriver ici et de ressortir par là. Bon, je crois qu'il va en perdre là, hein, des petits bouts de gâteau qu'il a mangé. Non, il va mettre des graines. Des récompenses? Oui, tu vas pouvoir lui mettre des récompenses. Bon, j'en prends des animaux par exemple. D'accord. Alors, vu que Nut, il fait pas trop d'exercice, quand même, je lui ai mis des récompenses à certains endroits. Regardez, il y a une gamelle. D'accord, le ravitaillement en fait. Oui. Ok. Il y a le ravitaillement. Il y en a un aussi, mais plus petit. D'accord. Il y en a un autre à côté. Ok. D'ailleurs, j'ai déplacé. C'est la récompense avant de sortir. Non, parce que là, il y a un système secret pour qu'il aille à l'autre bout du labyrinthe. Ouais, c'est ça. Là, on va mettre un bloc et il y a un endroit ici où il va appuyer sur un truc et là, on va amener bloc. Ah bon? Ouais. Ah, mais t'as prévu de le piéger dans le labyrinthe, en fait. Oui. Ah d'accord, moi, j'avais pensé que s'il prenait la bonne entrée, c'était bon pour lui, quoi. Il s'en sortait plus vite. Regarde, c'est trop facile. Ah d'accord. Pour Nut. Il va en faire du sport. Il va les perdre ces rondeurs, hein. Pas de problème, hein. Je vous montre ce que ça donne d'ici. Et effectivement, c'est impressionnant, hein. Le labyrinthe est gigantesque. Il nous reste seulement cette partie-là à finir. Et on a décidé avec Néo qu'on ferait une spirale. Il va être content, Nut. La construction du labyrinthe touche à sa fin. La spirale est en cours de finalisation avec Néo. Et là, normalement, on va pouvoir faire un lâcher de Nut. Ça devrait pas tarder. Alors, je vous rappelle le principe. Je vais vous guider dans le labyrinthe, telle Ariane avec son fil. Oh non. Oh, j'ai vu tomber Shrek. C'est qui, lui? Ah non, c'est un ogre. Shrek. Bah, écoute, ça aurait pu être le Minotaure, hein, dans le labyrinthe. Pourquoi pas? Petite révision de mythologie, quand même. Alors, du coup, où est Nut? Nut a disparu. Nut, c'est là, en fait. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un tout petit bout de fourrure. Pour l'instant, il fait la sieste. Alors, Nut va rentrer par ici. Ensuite, il a le choix entre deux chemins. Nous, on sait que s'il prend ce chemin-là, ce n'est pas le bon chemin. Mais lui, il ne sait pas. Le vrai chemin à emprunter, c'est celui-ci. Admettons qu'il prenne celui-là. Eh bien, malheureusement pour lui, il va errer par ici et par là, voilà. Il va faire tout un tas de tours, il va rencontrer des crocodiles, mais de toute façon, il ne pourra pas sortir, parce que cette partie-là est fermée. En revanche, s'il prend cette partie-là, il a deux options, arriver ici. Soit il prend le petit chemin qui est là et qui est le bon chemin pour arriver jusqu'à la sortie, soit il prend le vaste chemin qui est là et qui va l'emmener directement dans la spirale infernale dont il ne pourra pas ressortir seulement en faisant demi-tour. Donc la spirale, elle va l'emmener également ici. Là, il y aura encore un carrefour. Donc s'il le prend, il est encore fermé. En revanche, s'il prend la petite route que je vous montrais tout à l'heure, juste là, et qu'il poursuit par là, et encore, il arrive à la gamelle de Swan. Et juste ici, il arrive à la sortie qui a été bouchée pour l'instant par Swan. C'est sa stratégie. Pour le moment, il ne veut pas que Nut puisse trouver trop vite la sortie. T'as mis ton petit mot? Oui. Et bon, t'as mis quoi? Rien. Oh. Alors effectivement, une fois toute la spirale terminée, on tombe là-dessus. Rien. Ah, ça va lui faire plaisir, hein. La spirale est presque terminée, ça va être le grand moment. Est-ce que tout est prêt? Non, on va faire une dernière modification. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Au niveau de la récompense, voilà, je vais mettre un autre endroit. Ah, d'accord. Il n'y a pas de spirale. Attends, on va mettre la spirale.
Ah bah voilà, finalement il n'y aura pas rien dans la spirale, il y aura une récompense. Enfin, pas au centre, hein. La récompense dans la spirale. D'accord, faudra même chevaucher ou passer à côté, d'accord. Enfin non, il y a une graine à côté. Bien, c'est bon. Voilà, l'ultime réflexion. C'est bon? Est-ce qu'on va pouvoir faire un lâcher de nuts? Oui. Alors, c'est parti. Il veut gâcher. Ah, coucou Pépère. Ça y est, tout est prêt. Tu vas pouvoir venir faire ton sport là, dans un parcours géant. Allez, go! Voilà. Allez, c'est là l'entrée. Allez, c'est parti. Le suspense. Déjà, est-ce qu'il va sortir de son tunnel? C'est même pas sûr. Là, il est en mode non, mais j'étais bien. Ah! Il est sorti de son tunnel. Explore, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Alors, où est-ce qu'il va aller? Où est-il allé? C'est immense, hein, pour lui. Il va retourner dans son tunnel, c'est sûr. C'est sûr. Il essaie de repartir, regarde, on va voir la transparence là. Non, je retourne chez moi. Bon, c'est vrai que ce Nuts là, il aime pas trop faire de l'exercice, hein. Bon, ok. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que quand il va ressortir de son tunnel, il faut lui enlever parce que sinon, il va se cacher. Voilà, il y a papa, vite, enlève lui. Allez, papa. Voilà. C'est pour ton bien, t'as besoin de faire de l'exercice. Non. Allez, viens. Oh, bah oui, t'es plus dans ta cage, mais ça va te faire du bien. Voilà, ça y est, il arrive. Alors, par où il va passer? Il a du Swan. Allez, première intersection. C'est bon. Yes, il a réussi à passer. Là, c'est bon. En plus, il est parti pile où on voulait, c'est-à-dire là où il fallait pas. Ah, est-ce qu'il va rencontrer le crocodile? Oui. Salut le croco. Ça va l'air trop l'affoler. Bon, je mets pas la crème. Écoute, il a l'air ravi de sa rencontre avec le croco. Voilà, je vois ça. Hein. Il va peut-être rester là finalement. Par où il va aller maintenant? Oui, allez, hop là. Alors, il va où? On va dans un cul-de-sac. Bah oui, t'es coincé là. T'es coincé là, Pépère. Regarde, il est déjà au bon endroit là. Allez, Pépère, c'est bien, tu t'en sors bien. Ah, d'ailleurs, maman, il faut qu'il voie le mot rien pour qu'on débouche la sortie. Ah, tu veux qu'il aille d'abord dans la spirale? Eh, regarde, pour l'instant, il s'en sort très bien. Hein. Il s'approche dangereusement de la sortie. Hein. Il s'approche dangereusement d'un animal, je crois. Attention, regarde. Ah, ouais, il est à côté de la sortie. Ah non, il repart. Wouhou! Alors, oui. Tu es de nouveau sur le bon chemin. Tu chauffes, Nuts, c'est bien. Non, là, tu refroidis. Tu es glacé. Nouveau câlin avec la GoPro. Là, tu es glacé vers l'objectif. T'es pas par là, Nuts. Non, c'est pas le bon endroit. Courage. Allez, tu peux le faire. Ah, il a trouvé la gamelle. Yeah. Poup. Il rentre carrément dedans, c'est bon. Hop là. Oulala. Il a trouvé la sortie. Regarde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, il a été super malin. Hein. Il a trouvé la sortie direct. Attends, il repart. Swan est super déçu. Il a pas du tout mes pièges. Allez, Swan, prends le tunnel pour l'emmener. Oh, attends, il y va là, regarde. Hop. Alors, il va jusqu'où? J'ai l'impression qu'il retrouve son chemin initial, en fait. Ouais. Il doit retrouver son odeur. Voilà, en fait, voilà. Il est retourné au point de départ. Hé, ça veut dire qu'il est retourné grâce à son odeur directement à son point de départ. Super fort, quand même. Hein. Bon, là, on peut facilement l'attraper avec son tunnel. Alors, il y a Swan qui se demande s'il peut manger les graines de Nuts pendant que Néo l'emmène au centre de la spirale. Bah, ils disent que c'est bon pour les dents. Oui, ça peut pas te faire de mal, va. Tu peux y aller si vraiment ça te fait plaisir de manger la même nourriture que Nuts. Nous avons donc deux hamsters à présent. Pas trop de goût, mais ça le mange en plus. Il le mange. Alors, ça y est, regarde Swan. Merci Nuts. On l'a mis au centre de la spirale. Cette fois, la sortie est ouverte. Donc, s'il la retrouve, cette fois, c'est bon. Donc, pour le moment, il est toujours dans la spirale. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Ça y est. Il semble avoir trouvé une issue. Bien. Tu progresses, Nut. C'est bien. Super. Alors, oui, regarde Swan. Il a trouvé ta deuxième récompense. Le voilà dans son assiette géante et il repart. C'est bien. Oh là là, comme il va vite. C'est bien, Pépère. Alors, là, bien, il a pris tout de suite le bon côté. S'il avait pris l'autre côté, il en avait encore pour un bon moment, le pauvre. Mais il a trouvé tout de suite le bon côté. Alors, il est toujours dans la spirale. Il arrive. Hop. C'est bien, Pépère. Allez, Nuts, on croit en toi. Tu t'en sors bien. Là, il a compris qu'il fallait sortir. Là, il va très, très vite. Et il se rapproche de la sortie, là. Ouais. Là, s'il y arrive, c'est la bonne. Pour le moment, il n'est pas allé dans l'autre partie du labyrinthe. Hein. C'est pas fait à voir. Il y a de l'idée, hein.
qu'il y a de l'idée. Ah. Attention tes pieds parce qu'il mord. Hein. Où est-ce qu'il va aller maintenant? Attention, attention, c'est l'intersection. Oh, pépère, il retourne bien sur un saccage. Du coup, on va refermer l'entrée du labyrinthe. On va fermer comme ça. Hein. Et finalement, voilà. On va mettre la cage de Nuts à la sortie. Ça sera la récompense. Sera plus simple, ouais. Et là, bon, Nuts est en transe, évidemment. Bon, on va la réemmener du coup. Allez, poussin. Yes. Nous avons relâché Nuts dans le labyrinthe. Donc cette fois-ci, c'est fermé. Oh, pépère. Allez, courage. La récompense à la sortie, c'est de rentrer chez lui. Alors là, il explore une nouvelle partie. Mais le pauvre, c'est la partie dont il ne pourra de toute façon pas sortir. Allez, c'est bon, Nuts. Vas-y, oui, vas-y. C'est bon, c'est la bonne route, là. Vas-y. La sortie est juste là. T'y es presque, Nuts. Tu peux le faire. Remonte la fin, là. C'est bien, là il a fait l'exercice pour un mois. C'est sûr, voilà, pour un an. Au moins. Et là c'est bon, bon voilà. Je vais dormir maintenant. On va le redescendre dans sa cage, voilà. Il va retrouver ses petites habitudes. Et sa gourde aussi, pour qu'il puisse se désaltérer après une telle course. On lui dit au revoir. Allez, au revoir, Nuts. Enfin, pour vous, à tout à l'heure, mais du coup, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, allez, au revoir, Nuts, t'as été super fort. Super, Nuts. Bien joué. Alors, ce labyrinthe, les garçons. Très sympa. Très bien. Franchement, je suis content de ce qu'on a fait. Hein. J'espère que Nuts, ça lui a beaucoup plu aussi. Ouais. Voilà. Mon talent de construction et mon talent de créativité, on a fait le labyrinthe parfait. Ouais. Wow. Comment tu dis d'habitude? Sans me vanter, voilà. Ouais, sans me vanter. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, voilà. Pensez-vous. Pouce bleu et surtout, plein de gros. Bisous. On vous. Bonne à tout le monde. Bye bye, et plein de bisous. Bye. Et puis bah, maintenant, il va falloir enlever ce labyrinthe parce que, petit point de détail, il bloque la porte qui est là. Et voilà. Et vous ne savez pas, hein. Mais derrière cette porte, ben. Il est correct. Ouais. Donc là, on va être obligé quand même de débloquer le passage, c'est mieux. Allez, bye bye tout le monde! C'est toi le hamster maintenant? Apparemment. Attention, tu vas dans la spirale! Attention, Sous-Nuts!